mais un bon cheval sera. Bien. Calmez-vous. De qui parlez-vous? Les envahisseurs ont pris ma maison. Sur la route, ma famille est avec mon fils. Vous avez abandonné votre famille? Je n'avais pas le choix. Je ne suis pas un guerrier. Je vais les aider. Je reviens. Des Mongols. Tengdwin, stop what I told you. Second one. In Habas Harvard, my speed, my gent, it's me. L'homme m'a parlé de sa femme et de son fils. Je ne les vois nulle part. Peut-être dehors. Du linge, encore humide. L'attaque a été soudaine. Les corps ont été traînés, puis jetés à l'eau. Thank you.
Quelqu'un a été tué ici. Un jouet d'enfant. Sa famille n'a pas survécu. Je dois aller lui dire. Monseigneur, les avez-vous trouvés ? Votre famille a été tuée. Je suis désolé. Pourquoi ne pas les avoir sauvés ? J'ai fui. Comme un lâche. J'aurais dû mourir moi aussi. Il ne faut pas se sentir coupable. Que leur mort ne soit pas vaine. Résistez à l'envahisseur. Aidez où vous le pouvez. Oui, monseigneur. Sora, allez!
c'est si paisible ici. Quel est cet endroit ? Je vous ai pris pour le seigneur Jinroku, mais vous êtes un autre samouraï. Bienvenue, monseigneur. Un autre samouraï ? Vous ne connaissez pas le seigneur Jinroku ? C'est un samouraï légendaire. J'aimerais le rencontrer. Quand reviendra-t-il ? Bientôt. Joignez-vous à nous pour le dîner. Il vous racontera un de ses prodigieux exploits. Allons-y, Sora. N'approchez pas, monseigneur. Les esprits vengeurs de samouraïs hantent cette forêt. Pourquoi dites-vous une chose pareille ? C'est vrai. C'était autrefois un lieu de refuge. Aujourd'hui, ceux qui entrent dans la forêt n'en ressortent jamais. Nous sommes en guerre. Les gens disparaissent. Mais même les Mongols craignent ce lieu. Attendez la tombée de la nuit, monseigneur. C'est là que la mort rôde dans la forêt. Après cette nuit, vous n'aurez plus à colporter ces rumeurs d'esprits meurtriers. Espérons-le, monseigneur. Quelqu'un vivait ici. Abandonné. Le gardien a entendu des bruits étranges une nuit. Puis il a disparu. Décapité, comme si le tueur voulait faire croire à la vengeance d'un samouraï. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a fui. Oh ! Échapper à quelqu'un.
Un feu de camp. Quelqu'un doit être là. C'est récent. Le tueur doit être tout près. Quelqu'un a filé par là. Une mise en scène pour éloigner les gens. Seul aussi longtemps. Assassin ! J'ai été écarté. Je devrais raconter la vérité à l'homme qui craint les esprits. Monseigneur, vous avez survécu. Et je vous rapporte une nouvelle histoire. Des bandits sanguinaires rôdaient jadis dans la forêt sacrée. Mais les esprits des samouraïs qui protègent ce lieu ont hurlé leur colère. Le dernier guerrier du clan Sakai a entendu leur cri de tourment. Il débarrassa la forêt des meurtriers, et les esprits des samouraïs vécurent en paix. Une bonne histoire. Comme si les esprits des samouraïs vous avaient invoqué pour sauver leur forêt. Attention !
Tu es un bon cheval. Plus vite, Sora! Les bruits étranges attireront l'attention des gardes. Ce carillon peut faire diversion ou servir d'appât.
하루 된 네게 뭐 있어? 하루 야 선배 집세계 Je ne vous oublierai jamais. Allez-y, et faites attention. Ah
Hui, Harbo, zip se kay. Тэнд нэг юм хөдөлсөн. Юу вэ? Харво. Очоо. C'est le plus beau jour de ma vie, monseigneur. Faites attention à vous. Sakai. Sensei, des nouvelles de Tomoe? Oui, mais je ne crois pas que tu sois prêt à l'affronter. Vous en parlez comme d'un démon. Elle n'est pas loin d'en être un. Tomoe est redoutable. Ce n'est pas un samouraï, mais c'est une tueuse née. Je connais son genre. Oh non, détrompe-toi. Viens, où allons-nous? Un champ de tir. Des Mongols y ont été vus qui s'entraînaient. Je pense que Tomoe était avec eux. Si Tomoe n'a vraiment peur de rien, elle fera une excellente alliée. Même un léopard affamé n'a peur de rien. Un léopard ne saurait maîtriser la voix de l'arc. Oublie-la, Sakai. Elle ne se joindra pas à nous. Pourquoi vous a-t-elle trahi? J'ai pris le risque de lui enseigner tout ce que je savais. Quand elle a trahi ma confiance, je l'ai punie. Cela a dû être rude. Tu as vu ce qu'elle a fait aux prisonniers du fort de Nakayama.
Ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Et ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Nous ne sommes pas sûrs que c'était elle. Toi non, moi si. Tu dois grimper pour continuer. Vous êtes sûr d'y arriver, Sensei ? Qu'est-ce que tu attends, Sakai ? Besoin d'aide, Sensei ? Bel effort, Sakai. Vous m'avez dit que le seul moyen était de grimper. Non. J'ai dit que tu devais grimper. C'est un bon exercice. Des flèches, mongoles et japonaises. S'ils étaient là, ils sont loin maintenant. Nous pourrions retrouver leurs traces à côté de la cible. Il n'y a aucune cible. Près de la tour de guet. Bravo, Sensei. Trouve où ils sont partis. Plus vite, Sakai. Combien de Mongols Tomoe entraîne-t-elle ? Une tête coupée. Ils s'en sont servis comme cible. Sensei ! Les Mongols ! Sensei ! J'ai besoin de votre aide ! Beau travail, Sakai. Vous reposez votre bras, Sensei. J'observe ta réaction à une embuscade. Vous saviez que ces Mongols étaient là ? Oui. Pourquoi ne m'en avoir rien dit ? Si une poignée de Mongols te déstabilise, quelles seront tes chances face à Tomoe ? C'est une guerre, pas une mise à l'épreuve. Et combien de guerres as-tu livrées ? Je t'éprouverai comme il me plaira. Je comprends que Tomoe vous ait attaqué. Alors, où est-elle partie, Sakai ? Je vais regarder. Beaucoup de traces, une dizaine d'hommes, peut-être plus. Suis leur piste. Si nous la trouvons, ne m'attends pas. Attaque et continue, sinon tu mourras. Comptez-vous utiliser votre arc cette fois ? Si nous la trouvons. Et sinon ? Tu pourrais tuer une dizaine de soldats sans mon aide ? S'il le faut. Bonne réponse.
Regardez-les. Ils appliquent les enseignements de Tomoe. En tuant des innocents. Avez-vous vu une femme japonaise avec ces Mongols ? Je n'en croyais pas mes yeux. Elle leur donnait des ordres. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a parlé du sensei et des sources chaudes. C'est tout ce que j'ai entendu. Pardonnez-moi. J'ai appris à un monstre comment chasser. Ils ont entendu Tomoe donner des ordres aux Mongols. Elle a parlé du village d'Iyoshi. Elle ne fait que commencer. Sakai, ta façon de combattre, ce n'est pas celle de ton oncle et ni la mienne. Nous n'avons jamais affronté un tel ennemi. Je fais ce qu'il faut pour le vaincre. Un samouraï est un gardien, pas un assassin qui frappe comme un voleur. Vous n'avez pas vu Komoda ? J'en ai vu bien assez. Je sais que c'était brutal, mais je n'entraînerai pas un autre monstre. Je sais. Et cela n'arrivera pas. Si Tomoe a l'intention de s'en prendre au village d'Iyoshi, je dois me préparer. Et toi aussi. Rejoins-moi à mon dojo, Sakai.
Sakai. Des nouvelles de Tomoe? Des voyageurs ont été pris pour cible sur les routes du village d'Iyoshi. Plus personne n'ose en sortir ou le ravitailler. Vous pensez que c'est Tomoe? Quelques archers, s'ils sont bien placés, peuvent isoler toute une ville. Comme vous le faisiez quand vous étiez le maître archer du clan Nagao. Tomoe était une bonne élève. Pour sûr. Nous affrontons votre propre reflet. Et nous tâcherons d'en tirer parti. Viens. Comment suggérez-vous que l'on trouve ces archers? Il faut penser comme Tomoe. Nous avons besoin de contrôler l'accès au village d'Iyoshi. Où devons-nous placer nos archers? Il serait judicieux de surveiller l'entrée principale du village. Les habitants eux-mêmes évitent l'axe principal. Des archers ici seraient inutiles. Le chemin derrière l'auberge. Non. Trop exposé, pauvre en ligne de tir. Elle voudra couvrir un maximum de terrain avec un minimum d'archers. Quelques hommes pourraient bloquer la route du littoral. Oui. Je posterai un garde devant le pont menant au village. Moi aussi. La route au sud longe une falaise en surplomb. L'endroit idéal pour une pluie de flèches. Tomoe serait d'accord. Tu as du potentiel. Mettons-nous en chasse. Qu'avez-vous appris d'autre à Tomoe? Je ne lui ai rien caché. Elle sait pourquoi vous avez quitté le clan Nagao? Ce n'est pas un secret. Je devais prendre ma retraite et les sources chaudes me comptaient. Mais vous enseignez toujours? Pas au début. Pourquoi avoir changé d'avis? L'arc est toute ma vie. Le poser, c'était mourir. Alors j'ai choisi de vivre. Mais regrettez-vous de ne plus être un guerrier? La maîtrise de l'arc est la maîtrise de soi. C'est la seule victoire digne d'un samouraï. Le reste est futile. Nous approchons. Ouvre l'œil. Innocents, assassinés. Menons leurs assassins sur les rives du fleuve des Trois Chemins. Сумуда! Бидэн лу дээрс байна! Бид байна бэлэн гэж бэлэн!
Aucune trace de Tomoe. Continue. Tous ces innocents morts. Tomoe Nayuk. Scrupule. Elle a trahi son peuple. Les Mongols sont doués pour diviser et conquérir. Ils ont dressé l'un de mes plus vieux amis contre moi. Les faibles d'esprit aspirent à la fortune et au prestige. C'est ce qui les rend faciles à corrompre. Faible ou non, Tomoe et Ryuzo savaient qu'ils méritaient mieux que ce qu'ils avaient. Je te trouve bien indulgent. Je comprends leur raisonnement. Mais ceux qui sèment le chaos doivent être punis. Ta voix sème le chaos. Chez l'ennemi. Pas seulement. Un samouraï ne doit pas abuser de la violence. Sinon, il ne fait qu'engendrer un bain de sang. Le but est de vaincre l'ennemi. Pour mettre un terme au bain de sang. Tomoe disait la même chose. Huh?
Comment Tomoe est-elle devenue votre élève? Vous ne l'avez pas renvoyée? Elle avait dû suivre un entraînement. L'esprit du guerrier. Huh?
Chin Haruo. Yue. Өнөөгийг чи хардаа. Ishikawa sensei, tu connais le nom d'Ishikawa? Oui. J'ai un message. Parle. Sensei, tout le village d'Iyoshi implorera la pitié. Tout comme les victimes d'Hironori Naga. Silence! Hironori Nagao. Il a été tué par des bandits, non? C'était il y a longtemps. Il avait la réputation d'un grand archer. Était-il votre élève? Non. Tomoe répand des mensonges. Mais il y a un fond de vérité. Elle veut nous faire douter l'un de l'autre. Seuls toi et moi pouvons préserver le village d'Iyoshi d'un véritable bain de sang. Nous combattrons ensemble. Nous élaborerons notre plan à mon dojo. Retrouve-moi là-bas et sois prêt à te battre. Bien. Venez voir ce que j'ai à vous offrir, Monseigneur. C'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. Désolé, ce n'est pas suffisant. Je vous laisse.
Je vous remercie. Que votre chasse soit fructueuse. Rien ne peut remplacer un arc de qualité. Puis-je vous aider, Monseigneur ? Je compte quelques nouveautés. C'est toujours un plaisir. Approchez, Monseigneur. L'histoire d'Uchitsune vous attend. Il y a fort longtemps, un démon ailé s'acharnait sur un empereur et son palais. L'empereur envoya chercher Uchitsune, le plus grand archer de son temps, qui maniait un arc béni par un kami. Quand le démon revint, Uchitsune était prêt. Armé de son arc long, il visait plus juste et tirait plus loin que tous les autres archers du Japon. Uchitsune tira une flèche unique qui transperça le cœur du démon. Ce dernier tomba au sol et, dans un dernier souffle, maudit l'archer. Peu de temps après, Uchitsune commença à voir la silhouette du démon partout. Son arc légendaire ne ratait jamais sa cible, mais en mourant, celle-ci libérait un cri humain. La piste des cadavres mena à l'archer qui fut capturé. Bien qu'ils fussent nombreux à demander sa mort, l'empereur eut pitié d'Uchitsune. Il fut banni sur l'île de Tsushima, où il mourut bien des années plus tard, seul et oublié de tous ou presque. L'arc qui servit à tuer le démon y est resté caché depuis. Certains disent qu'il attend un maître digne de lui, d'autres pensent qu'il renferme toujours la malédiction du démon. Maudit ou non, cet arc semble puissant. Soyez prudent, Monseigneur. L'arc éveille les ténèbres en quiconque le convoite. Je m'en souviendrai. Encore faudrait-il que je sache par où commencer. Pour trouver la paix de l'esprit, Uchitsune se promenait souvent sur la côte, totalement fasciné par les hortensias bleus qui s'y trouvent. Qui sait, c'est peut-être une piste.
des hortensias bleues, comme m'a dit le musicien. Je ne dois plus être loin. Et... fissurée. Une île entourée de fleurs bleues. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. La sépulture d'Uchitsune. Cessez de chercher l'arc maudit. C'est la mort que vous trouverez. Il portait le masque d'un Tengu. Son tir était un avertissement. Je dois rester sur mes gardes.
Et...
montagne, entouré de fleurs bleues. L'arc d'Uchitsune s'y trouve peut-être. Si vous poursuivez votre quête, Tsushima tombera. Assez. Parlez simplement. Ceci est votre dernière chance. Ne cherchez pas cet arc. Fleur bleue, je suis sur la bonne voie. Den Negumbel. L'arc doit être là. L'arc long d'Uchitsune. Où suis-je? L'arc est maudit. Vous ne connaîtrez que la mort jusqu'à votre dernier souffle. Ah!
priorité est de chasser les Mongols de nos terres. Je m'inquiéterai des malédictions plus tard. Seigneur, je peux vous aider à améliorer vos lames. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Équilibré, aiguisé et mortel. À une prochaine fois. Avez-vous besoin d'un carquois ou d'une besace ? Vous méritez ce qu'il y a de mieux. C'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. C'est digne d'un samouraï.